Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes heureux encore ce soir pour le privilège que Dieu nous accorde de nous retrouver ensemble dans sa maison pour passer ce moment de qualité en sa présence, dans la prière et dans la méditation. Alors, ce soir, nous avons une méditation pour vous de la part du Seigneur et c'est une parole qui pourrait donner de la peine, apparemment. La parole du Seigneur nous dit dans 2 Chroniques chapitre 26. Dans 2 Chroniques chapitre 26, nous allons trouver la parole du Seigneur. Mais juste avant que nous jouions une parole, ça, avant que nous fassions lecture là, laissez-moi faire quelques annonces très importantes avant que nous parlions. Moi, je voulais rappeler tout le monde que mercredi soir, nous n'avons pas de service ici. Mercredi prochain, mercredi cap venir, mercredi pape de service dans l'église là, parce que tout le monde a branché sur Sinaï, Plantation Fort Lauderdale, Florida, pour être capable de suivre service, semaine de prière qui a commencé dimanche 18 pour la communauté haïtienne de la conférence. Abgain pour la communauté américaine, abgain pour la communauté espagnole et abgain aussi pour la communauté haïtienne. Expérience révélée, c'est pas nous qui toujours plus fréquenté, c'est sous pas nous monde toujours plus monté parce que pas nous toujours plus bon. Donc m'a invité tout le monde à partir de dimanche soir pour monter sur le site de l'église et n'a pas mettre le pour yo capable suivre programme correctement à Sinaï et vous aurez de grands prédicateurs à intervenir. M'a invité nos bien-aimés pour nous faire semaine avec le Seigneur. C'est une semaine de fin d'année qui doit préparer nous pour les événements de la fin. Donc, et le thème de cette semaine aussi, c'est événements des derniers jours. Les événements des derniers jours. Donc, faites des plans pour être avec nous. Américains, vous avez pour vous. Alors, l'homme dit, the English speaker, speaking groups, vous avez un programme pour vous, the Spanish, the anglophones, Spanish, vous avez un tout, et nous-mêmes, tous francophones, nous avons pas. Donc, je vais inviter nous. Samedi prochain, de rappeler nous ça, je vais faire nous rappeler là encore. Nous n'avons pas de service, pas de site. Samedi prochain, pas samedi demain, non. Samedi demain, pour commencer, c'est 17 la pied. Mais samedi 24, pas de service ici, ya, parce que nous, tout le monde a monté sur Sinaï Plantation. Pour être capable de suivre clôture semaine de prière pour la communauté haïtienne avec la coordination haïtienne. N'a pas rappelé tout le monde que nous avons notre frère Noël de Beraka 1 qui est très souffrant et qui a dû retourner à l'hôpital pour des soins médicaux et n'a demandé pour l'église en capable de prier pour lui et pour l'Éternel capable d'aller on aller mieux dans le moment de douleur qu'il a expérimenté et avec ses complications cardiaques. Et nous voulons prier aussi, nous avons eu le privilège d'aller voir frère Pélissier, et qui fait de grands progrès à la gloire du Seigneur physiquement. Et maman, nous voulons continuer à prier pour lui, pour nous prier pour tout le monde nous connaît dans l'église qui est malade et qui a besoin d'assistance par la prière. La ligne de prière continue encore à fonctionner très bien et beaucoup de miracles sont opérés sur cette ligne de prière. Nous prions pour la sœur Shilove, et nous prions pour tout le monde. Mais demain matin, la prière a démarré encore à 6 heures, et à midi, nous avons là, et à soir, nous avons à 8 heures. Et si tu as un petit problème technique qui te fait, nous pas capable hier, nous excusez-nous, même pour mettre que nous avons fait tout ça qui dépend de nous, pour ne pas être chargé ça encore. La ligne de prière fonctionne 3 fois le jour, 6 heures du matin, 8 heures du soir, et à midi. Et quel que soit le problème, fais-nous connaître, nous prions pour vous, et l'Éternel aura la délivrance et la guérison. Pas oublier que nous te disons, souvenez l'église en ouais ou prendre température, ce n'est pas mauvais, nous mauvais, mais ce n'est pas avoir nous gagner compte, c'est parce que ils sont requirements pour nous faire. De même, nous demandons à tout le monde qui vient à l'église en samedi pour faire effort, pour mettre masque. Parce que nous ne voulons pas aucun monde malade et nous ne voulons pas personne monde sortir là avec un mauvais sentiment. Fais plan pour capable avec nous
et samedi et à mes soirs venir l'église là assurer que on mette masque là va rentrer parce que sous pas gain masque ne pas cap qui tout rentrer dans en sainte église là. Merci en pile et nous connaissons pas grand pile monde, ça veut dire ou qu'on est, ça me l'a dit. Nous ne pouvons pas gagner le monde parce que confiance en Dieu, nous ne pouvons pas gagner le monde. By the way, on va aller plus loin. Pour l'église sabbat matin, il n'y a pas qu'à l'offrir. Si nous gagnons 15-20 monde, that's all we can have. We cannot have more than that. Parce que nous pouvons programme, c'est ça que nous pouvons programme là-bas ou là YouTube. Mais nous voulons tout le monde connaître. Si il y a des gens qui veulent marier, l'église là a l'ouvrir pour mariage. Si il y a des gens qui ont enterrement, l'église là a l'ouvrir pour enterrement. Ça veut dire si il y a un enterrement dans l'église, n'a pas enterrement là. Si il y a un mariage, n'a fait mariage là là. Mais sabbat matin nous pote le baou là kayo. Is that all right with everybody? Et nous voulons rappeler tout le monde aussi que encore un peu de temps, nous pral gen 40 jours, nous pral temps mais pas boy ici sérieusement et l'Éternel a fait nous grâce pour nous choisir les meilleurs prédicateurs pour vous pour que l'on vienne là pendant 40 jours au joindre satisfaction et bénédiction de la part du Seigneur. C'est pour bon Dieu béni. Non, let's go to the word of God to meditate quickly. On va aller la caille. La parole du Seigneur nous dit dans 2 Chroniques chapitre 26. Normalement message là et nous avons dans 2 Chroniques 26 nous apprenons à partir du verset 13. Prenons à partir du verset 11. Ozias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptés d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jaël et le commissaire Maaseja, et placés sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle, des vaillants guerriers, était de 2600. Il commandait à une armée de 307,500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. 307,500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Ozias leur procura pour toute l'année des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin quand il fut merveilleusement soutenu, jusqu'à ce qu'il devint puissant. Aïe, aïe, aïe. Jusqu'à ce qu'il devint puissant. L'Enabgade verset, à partir du verset 11, il dit nous qui ça Josias fait. En réalité, si vous nous avez bien compris, c'est pour nous apprendre depuis le verset 1er. Ozias rebâtit et Lot, et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. 16 ans. 52 ans. Sa mère s'appelait Jecolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. N'en suivez-moi, bien-aimé? Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il a cherché Dieu. Il prit du temps pour chercher Dieu. Pendant tout le temps, Zacharie a travaillé pour recevoir vision. Ozias, jeune homme, a cherché présence de bon Dieu.
Et texte là dit, l'elle a cherché présence bon Dieu fait le prospérer dans tout bagaille. Il se mit en guerre contre les Philistins et il a bâti les murs de Gath, les murs de Jabné, les murs d'Asdod et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Je dis moi, Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gur-Bahal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Ozias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte. Jusqu'à ce qu'il devint puissant. N'avait moins bien aimé, car il devint très puissant. Ozias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle où il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert, creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Ozias avait une armée de soldats. Le verset 11. Remarquez que le texte l'a dit nous dans un premier temps, car ils étaient honorés et recevaient des dons de plusieurs nations étrangères, car ils devinrent très puissants. Le texte l'a dit nous, car il fut merveilleusement soutenu. Le verset 15 dit, sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Texte l'a dit, sa renommée s'étendit partout, car il devint très puissant. Et deuxième verset qui fait référence à sa puissance, dit-nous, il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Pour qui ça y a persisté à faire une référence à la puissance d'Ozias. Ozias, c'est petit roi. Roi de Juda, Amatsia. Amatsia était un grand roi. Amatsia a régné plusieurs dizaines d'années aussi sur le royaume de Juda. Amatsia a servi Dieu pendant un bon bout de temps et a respecté la parole du Seigneur. Mais à un certain moment, Amatsia s'est détourné de Dieu. Et son détour de la part du Seigneur, son détour du Seigneur a provoqué sa mort. Amatsia mourit parce qu'il s'est détourné de Dieu, alors que quand il lui était fidèle, l'Éternel te couvrit. Mais il dit non, je vous pardonne, calbas. Ça, si mon grand monde n'y fait, c'est l'il fait. Ozias avait 16 ans quand il devint roi. Et Ozias cherchait bon Dieu. Ozias cherchait bon Dieu. Ozias suive bon Dieu. Ozias respecte parole bon Dieu. Là, le côté sacrificateur, là, chercher vision, yo, pour le compte comment pour le servir bon Dieu. Et ça, mettait Ozias en très mauvaise position. Où monte roi à 16 ans, l'Éternel bénit, l'Éternel soutenit, gardez tous les rois au voisinage de Juda à Jérusalem, yo vini honorer Ozias. Ozias bat Philistin, li bat mon à droite, li bat mon à gauche, li fait de grandes choses en pile développement. Il a causé des citernes et regardez, li baille, li don armé. Mais grand moment qui vient arriver, Ozias commence à rentrer dans l'âge. Et Ozias, yo ba nou les dernières parties de sa vie, je dis non, qui ça Ozias gagne à sa disposition? Une armée, 307,500 moun en plus, qui capable soutenir la bataille contre ennemi. Therefore, si m'gen tout moun sa ou qui capable soutenir, ça peut me faire l'Éternel encore. M'ba besoin bon Dieu. Parce que m'gen tout moun derrière dom. M'gen popularité, m'gen l'argent, m'gen connaissance, m'gen l'armée, m'gen zanmi, m'gen tout ça m'besoin. What do I need God for? Because m'besoin bon Dieu, si ennemi a vini, pour le capable goumen pour moi. Mais si m'gen yon l'armée 307,000 moun plus,
qui est capable de soutenir contre l'ennemi. Semble que c'était la plus grande armée, parce que Josias prend soin de l'armée. Il bat les armes pour la bataille. Josias n'a pas besoin de bon Dieu encore. Et le texte l'a dit moins. Sa renommée s'étendit au loin, quand il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Tout autant le pas de puissant, il était soutenu. Mais l'élevine puissant, il n'a pas besoin de soutien encore. Parce que sous puissant, ça peut faire soutien encore. En vent, pas de puissant, ou t'es faible, en vent, t'es besoin de monde qui vous soutenir, ou t'es besoin de bois derrière banane, et c'est l'Éternel qui te bois derrière banane. Mais l'élevine puissant, l'Éternel n'a pas besoin de couvrir pour lui encore. Et nous avons demandé pour qui ça bagaille puissant, 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 ça peut détonner. Nous voyons le verset 16, ça le dit. Le texte l'a dit. Le verset 16 nous dit. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria rentra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Homme courageux qui s'opposait au roi Ozias et lui dit, tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'autre, à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire quand tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Et au dimanche, le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux. Aïe, aïe, aïe. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Avant, Ozias, un jeune homme, était humble. Yo dit, Léon Mounap Grand Moun, c'est laissa li acquérir de la sagesse. Mais Ozias semble être plus sage, l'elle était jeune. Parce qu'elle te connaît que les jeunes, les connaît le pas qu'à diriger, les dépendent de l'Éternel dans sa jeunesse. Mais là, elle commence à sentir le grand nègre, elle gagne l'argent, tout le monde courbé devant, tout le monde baissé devant, et elle gagne l'armée, mais elle n'a pas besoin de l'Éternel encore. Elle vient arrogant, elle n'a pas respecté mon Dieu. Et, kounye, elle voit comme si elle n'a pas de bagaille, le royaume n'a pas qu'à faire. Parce que tout ça qui vous est fait, yo, li fait yo. Nan? Tout ça qui vous est fait, yo. Tout ça qui vous est fait, li fait tout bagage, c'est li kap contrôler toute situation. Seul côté li estime que li pas roi assez, li pas grand négacé, c'est dans le temple. Et il décide pour l'entrer dans le temple, pour la prendre autorité, pour la faire ça, l'Éternel pas mandé faire. Il y a des bagailles, l'Éternel bon droit pour faire, mais il y a des bagailles, l'Éternel pas bon droit pour faire. Victoire ou succès, ou, pas dépend de vous-même, mais il dépend de l'Éternel, les armées. Ozias sentit que si sacrificateur a des bagailles qu'il a fait et qu'il n'a pas fait, eh bien, ça veut dire qu'il est inférieur à sacrificateur. Non! Il y a trois institutions en Israël. La royauté, ça c'est Ozias. Il y avait la sacrificature, ça ce sont les sacrificateurs. Le sacerdoce, ça c'est l'Éternel qui décide qui est-ce qui peut faire tout. Et la prophétie, le prophète, c'est l'Éternel qui décide qui est-ce qui peut faire. Par le fait que, où a une puissance, où est l'Éternel avant, ça va avoir droit pour changer le principe l'Église, bon Dieu.
lorsque ou agit et où est l'Éternel avec vous, ça va avoir liberté pour aller à l'encontre de la volonté de l'Éternel. Il y a un pile monde qui confond vitesse et précipitation. Les ont réalisé que bon Dieu avait eux, les ont réalisé y a quelques victoires, mais ils ont senti que ils sont pas qu'à à faire. Ils ont qu'à contrôler travail bon Dieu. Ils ont qu'à changer, ils ont fait modification, ils veulent la donne, ils sont capables décider ça pour passer et qui ça pour pas passer. Mais bien aimé, c'est pour le malheur de l'homme. Avant, ou t'es jeune, ou faible, c'est ça qui fait bien aimé, gen moun, l'Éternel pas qu'à quitter au marié, parce que si au marié, il y a une disgrâce pour la famille de l'église. Gen moun, l'Éternel pas qu'à bailler l'argent, parce que j'y revigne l'argent, l'Éternel a perdu. Gen moun, l'Éternel pas qu'à bénir trop, parce que j'y a trop béni, y a pas gen la crainte pour bon Dieu encore. Gen moun se sel nan pauvreté, yo respecte bon Dieu. Gen moun se sel le, a fè yo pa bon, yo konnen gen bon Dieu. Gen moun se sel le, yo malade, yo konnen bon Dieu se médecin. Mais depuis a fè yo marché, yo mette bon Dieu de côté. Depuis yo commencé gen puissance, yo abandonné l'Éternel. Frère Maxime, bien aimé l'orgueil, c'est ça qui perdit Saül. Saül perdit la royauté et perdit ville ici-bas et même perdu vie éternelle est presque à cause de son orgueil. Saül était un homme simple, était un homme sage, était un homme de bien. Saül pas même comme ça pour te faire même. Mais l'Éternel commence à élever l'indignité. L'Éternel commence à bal puissance. L'Éternel commence à bal power. Et bien Saül oublie que tout ça c'est pas de lui-même, c'est de la part de l'Éternel. Et bien il vient comprendre que c'est lui-même qui est l'Éternel. Ozias commet même erreur. À 16 ans, l'Éternel met au son trône ou cherche l'Éternel. Ça qui rend péché Ozias là au Dieu, c'est parce que c'est pas un monde qui agit par erreur ni par accident, mais son homme qui agit délibérément pour aller à l'encontre de l'Éternel. Parce qu'il savait rentrer dans le sanctuaire, il savait rentrer dans le temple, et il savait aller auprès de Zacharie pour là connaître la vision et la parole de l'Éternel. Ça veut dire, Ozias, vous connaissez très bien. Ça pour faire, ça pour pas faire. You know, des gens qui font, c'est pareil, ouais, mais vous-même, ou chercher l'Éternel par la parole ou qu'on est, qui doit ou gain pour aller à l'encontre de cette parole. Aïe, 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 l'Éternel pas bonne chance même. Bien aimé, gain pile fois, le roi Ozias, gade, li aller à l'encontre de Dieu. Ça veut dire, li vle roi, et li pas respecter ça l'Éternel bali a seulement non, mais li vle prendre l'autre bagage que l'Éternel pas bali. Mais c'est l'Éternel qui place moun comme ancien, c'est l'Éternel qui place moun l'autre chef de département, c'est l'Éternel qui place moun l'opposition, c'est l'Éternel qui mette moun président, c'est l'Éternel qui mette moun coordonnateur, ou capable faire campagne pour monter, mais si l'Éternel pas vle monter, toute campagne ou a réduit à rien, cela veut dire, l'Éternel met au long côté, retenez la position, l'Éternel met au là. Mais il y a des gens pas en position qui est bon pour eux. C'est pour eux roi, c'est pour eux chef, c'est pour eux commander. Ils ne parlent pas en position de direction, mais ils tiennent à ce que c'est eux-mêmes ouais. C'est pas pour bon Dieu encore, il y a travail, non, mais c'est pour la gloire de moi. L'homme était simple, mais il avait Dieu. Et quand il est devenu puissant, son cœur s'éleva pour le perdre et il pécha contre l'Éternel. L'entrée, la caille, bon Dieu. Ça veut dire, si l'Éternel qui grand monde décide en un caille moins, mais qui discipline, mais qui l'ordre moins mette, mais qui j'aime vle l'église moins aller, mais qui j'aime vle l'église moins fonctionner, mais qui j'aime vle l'église moins opérer, ou même moins entre la caille, bon Dieu, parce que bon Dieu boy un pouvoir, parce que bon Dieu boy un type chance, parce que bon Dieu bon petit côté pour passer, ou décide, non, moi même après changer, ça veut dire, moun ou pas de respect pour lui, c'est pas pour sacrificateur, yo. Moun ou pas respecté, c'est l'Éternel qui met Kaila. Kaila est pour sacrificateur. Kaila c'est pour l'Éternel, les amis. C'est l'Éternel qui met yo. Soudi ou même, c'est pas où vous voulez faire, c'est moi qui pour faire. Ça veut dire, c'est pas avec yo qui a un problème, c'est avec l'Éternel qui a un problème. Et yo, bah, monsieur, warning, au lieu qu'il prenne warning, non, orgueil, il monte, garde, il vexé, parce que tu sacrificateur. A vite dit, non, ou pas que nous avons fait ça, c'est pas où l'Éternel choisit. Oh, mais si sacrificateur était prend pouvoir comme moi, nous t'apprenons qui ça t'a fait. Quand il fut puissant,
Son cœur s'éleva pour le perdre et il pécha contre l'Éternel. Bien-aimé, l'orgueil mène au péché. Dieu résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la honte. Problème Ozias, c'est que lui vient de trois puissances. Ou puissant, mais l'Éternel tout-puissant. Ozias pas qu'on réalisait que son roi lié, c'est l'Éternel qui voulait le monter roi. Mais maybe parce que peuple a couru d'elle, mettait le roi à 16 ans, lui comprennent que c'est lui-même qui roi, c'est pas l'Éternel qui mettait. Et puis, qu'on a commencé à dérespecter l'Éternel. Mais l'Éternel frappait Ozias avec un lèpre. Frère Maxime, bien-aimé, tant pour arriver haut, et puis pour tomber trop fort, pour tomber, pour sortir haut, pour tomber bas, mais plutôt être en bas net. Tant pour l'argent qui cause qu'on perd du vie éternelle, puis t'aurais été pauvre jusqu'à la mort. Dans son mariage qui pouvait perdre du vie éternelle, ou garder puis t'aurais été single jusqu'à ce que Jésus retourne. Tant c'est pour une position qui cause qu'on perd du bien-aimé, puis t'aurais pas rien aux yeux des hommes, mais ou gain valeur aux yeux de Dieu. Gen moun langage c'est li k'a perdu yo, gen moun connaissance c'est li k'a perdu yo, gen moun c'est l'argent yo ki cause y'a perdu, gen moun c'est intelligence yo ki cause y'a perdu, gen moun c'est don yo ki cause y'a perdu, gen moun c'est talent yo k'a cause yo perdu. Et l'Éternel frappé Ozias avec un lèpre terrible, lèpre la levé l'enfoir. C'est pas sans raison nous qui fait c'est l'enfoir nous yo dit lèpre la levé en premier parce que travail à le faire, c'est travail sacrificateur doit faire. Et sacrificateur, avant de rentrer en présence de l'Éternel, lui suppose qu'on tient souffrant qui dit, sainteté à l'Éternel. Ozias a le présenté devant mon Dieu, sentier là. Holiness to God. Ou pas sacrificateur, ou pas habillé pour travail là. Et pas travail ou lié. Ou pas mettre tient là. Et mais parce qu'elle pas mettre tient là. Qui dit sainteté à l'Éternel et ou pas qu'à saint à l'Éternel leur orgueillé, leur enflé, leur senti ou son paquet à faire. Personne moun pas qu'à parler, personne moun pas qu'à conseiller. Depuis me décider, ça me décide à c'est lik pour arriver. Oh, ou elle présente devant mon Dieu sans la tiare qui dit sainteté à l'Éternel. Et mais c'est fouan ou un qui capable fort par à réfléchir bien. Et mon pas vina tiare là. Sous te mette tiare là. Gardez malédiction, c'est sous tiare là, elle t'a tombé. Mon pas mette tiare là. C'est sous fouan, elle est tombée. Fouan, m'non couvri avec l'ep. Jusqu'à ce que tout col contaminé. Et il mourit avec l'ep là. Pour l'apprendre à respecter l'ordre et la discipline de l'église du Seigneur. Bien-aimé, il y a un peu de monde dans l'église, qui est l'église, mais qui pas respecter bon Dieu dans l'église. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Il y a un monde parce que vous avez une position, vous mistreat other people. Vous n'avez pas respecté le monde. Vous avez une position, vous sentez comme si vous avez un bon Dieu. Ou elle en l'église des fois, depuis ses chefs de département, toutes ses pasteurs l'église. Parce que dans le département pas yon, pas un pasteur, c'est yon pasteur l'église pour le département pas yon. Et il y a des fois tout, à tous les niveaux de l'organisation, la maladie de l'orgueil peut s'installer à tous les niveaux de l'organisation. Frère Maxime, bien-aimé, Ozias, mourir avec un lèpre sans raison. That's when you become self-destructive. Pas de raison pour Ozias mourir, Jean mourir. Pas de raison pour Ozias qui commence son vie comme ça avec l'Éternel. Mais l'elle était humble, l'elle était petit, il était humble. Mais l'elle vint grand, il est orgueilleux. C'est ça qui fait qu'on s'est de mon Éternel obligé de craser le coyou. L'Éternel obligé de craser l'estomac. L'Éternel obligé de quitter à genoux constamment. L'Éternel obligé de quitter de l'eau dans les yeux constamment. L'elle besoin de sauver, il est obligé de voyer dans mauvaises conditions. Il fait mon humilier, il battre, il caler. Parce que qu'on s'est de mon depuis, il est levé en l'air, il n'a pas respecté
respecter moun nan. Yo pa gen va, yo pa bay moun valeur encore. C'est celle yo même qui gen valeur. Frère Maxime bien-aimé, moi me prier bon Dieu me dit l'Éternel t'en prie, crasez épaule moi, soufflez-tem. Que même là au pied de la croix, moi préférer mourir au pied Jésus pas pour me gagner l'argent pour me perdre. Frère Maxime bien-aimé, là arrivé où tout moun wè ou, mais Satan wè ou tout. Laurent ba paye, en pile moun pa wè ou, mais l'Éternel cache toi avec paye pour laisser faire pas tout. Et c'est ça qui cause Ozias perdu. Oh frère Maxime bien-aimé, il perd du royaume dans il perd du ville. Frère Maxime, famille moi yo, l'humilité précède la gloire. L'homme humble, l'Éternel élève en dignité. Celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera rabaissé. La question que j'ai pour vous ce soir, qui bagaille qui dans la vie ou qui vient tourner en toi grande fierté qui cause qu'on perdu et que même dans l'église bon Dieu qu'on y est ou qui vient pas respecter en quelle loi, en quel principe, en quelle directive, en quelle structure, en quelle formalité. Et qu'on y a, gen moun ki di oui, ça c'est formalité, oui, ok, c'est formalité lié. Mais ou même qui doit ou gen pour changer. Qui est ou yé, l'Éternel ou yé? Ou bien qui vision l'Éternel ba ou le di ou mbo pouvoir pour faire ça? Ou bien ou ap vle décider pour prendre place, bon Dieu, pour changer l'église, bon Dieu, j'en vle, j'en pito. Frère Maxime, bien aimé, moi, ouais, malé, pour un peu le monde. Malé a ka frappé ma avant, même ma koussio, m'kone la frappe en pile l'autre tout, qui t'a décidé aller la route que l'Éternel va voyer. Mais frère Maxime, bien aimé, l'or était humble, in fact, plus ou ap cherche bon Dieu, c'est plus ou doit vin humble. Parce que l'or ap cherche bon Dieu, ou vin confronter beaucoup plus à ta faiblesse, à ton iniquité, et à ton manque. Laisse ça, ou vin konon pa rien. Parce que, ouais, si ce n'est pas de bon Dieu, ou pas de protoyer à même, Satan t'a fini avant, Satan t'a tué, Satan t'a avili. Même dit, bon Dieu, merci qu'elle fait grâce jusqu'ici, elle qu'un bim de cher. M'a mérité ça, mais elle fait grâce, elle qu'un bim. Frère Maxime, bien-aimé, dans l'église, bon Dieu, always remember this church is God's church. Keep it, respect it, take care of this church. Puis quand nous j'en monte tête nous devant bon Dieu ni devant personne monde dans l'église même monde qui pipiti a traiter là avec honneur et respect balo chol et puis songer que sourire et cotoyer c'est pas parce que ou bon mais c'est parce que bon Dieu fort paraît bon aux yeux des hommes que bon Dieu bénisse.